Et salut à tous, on se retrouve sur notre ami le cube après ce petit timelapse des familles où j'ai fait une petite place du village un peu sympa histoire de d'agrandir nos terres, nos possessions et tout et tout. Alors ici j'ai rajouté aussi un petit parc tout mignon. Plutôt simple, sympa. Les lampes sont, enfin, les petites torches sont là juste pour l'instant pour voir un minimum. Et puis on va vite se dépêcher pendant qu'il fait encore à peu près jour. Voilà, et là-dessous on a un accès pour rejoindre l'usine à fleurs qui, bien sûr, est cachée maintenant. C'est pas un souci. En fait, s'il y a autant de choses, c'est simplement parce que j'ai déjà enregistré l'épisode une fois et j'avais oublié de réactiver mes cœurs. J'avais un seul cœur sur 4 qui était actif sur mon processeur et ça m'a complètement flingué en fait l'enregistrement précédent, mis à part la partie timelapse que donc j'ai pu vous mettre et récupérer. Voilà, du coup, on va faire un petit build aujourd'hui qui sera juste ici. Parce que si nous avons une belle place du village, il nous faut une petite mairie qui va avec. Alors, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de gigantesque. Mais enfin, on peut faire un petit truc sympa. Hein. Pas trop grand non plus. Et puis, qui permet de mettre aussi en valeur le, notre statue de 6-4, le grand. Puisque, ben, du coup, elle sera derrière. Et comme ça, ben, quand vous arriverez par... par là au fond, bah vous verrez la belle statue avec la mairie derrière. Comme ça là, waouh. Et puis normalement, l'entrée devrait être pile poil entre les jambes. Et ça, ça peut être plutôt chouette. Il faut juste qu'on aille faire dodo quand même, parce que là, il fait tout nuit, on n'y voit plus rien. Ah oui, du coup, j'en profite aussi pour vous dire que, vu que là, il y avait une... avant, il y avait une espèce d'usine à papyrus... j'ai profité de cette occasion pour l'enlever et en faire une nouvelle ici qui profite simplement du soleil. Donc côté du soleil, le Nodebreaker qui se trouve juste là s'enclenche et casse le petit papyrus ici, et ça permet de stocker ensuite dans un coffre là, ultra simple, ultra efficace, et tous les jours il y a un papyrus créé. C'est pas énorme, mais ça suffit je pense pour combler tous nos besoins. Donc voilà, à voir si ça suffit pas, on pourra mettre un système avec un détecteur, ça irait déjà beaucoup plus vite. Parce que là vous voyez typiquement on a eu deux papyrus qui ont poussé, donc ça a eu le temps de pousser deux fois, mais il y en a un seul qui sera récupéré dans le système, donc ça pourrait valoir la peine, éventuellement autrement avoir un deuxième Nodebreaker, mais bon, voilà, enfin c'est pas très important comme truc, alors pour l'instant on va rester là-dessus. Ok, alors, on va voir cette histoire de truc. Donc, quel plan est-ce qu'on a? C'est quelque chose d'assez simple. Hein. Vous voyez, on a une entrée principale avec 5, ensuite une petite arche en plus avec 3. Là, au bout, combien j'ai? Je dois avoir 5 de nouveau, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh, presque un peu long, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. Là, il n'y aura pas de... Là, ce sera juste muré, par contre. Hein. Tac. Alors, combien j'en ai au final? 9, 3, 6, 7, 8. Non, j'en ai que 8. C'est pas si pas. C'est pas si pire, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On va essayer de rendre ça symétrique vu d'en face. Par contre, vu de derrière, ça sera pas symétrique. Hein. Il faut pas, mais ça, vous avez l'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Wow. Pardon? J'ai pas le droit de poser. Ah, c'est pour ça. Je me disais, mais c'est pas vrai, j'ai de nouveau un bug. Donc, faut voir que ma nouvelle connexion à internet a été activée. Hein, ce qui me permet de. Enfin, de faire des timelapses sans être interrompu par. Par des problèmes. Ce qui m'arrivait tout le temps, en fait, avant. Hein. Alors. Tac. Ok, et par là, on va essayer de ce côté-là. Donc je vous ai dit quelque chose d'assez simple, efficace. C'est vrai que malheureusement je vous ai déjà, ben j'ai déjà enregistré une fois l'épisode et j'avais d'autres choses à faire aujourd'hui, donc il faut que je le fasse assez vite. Donc je sais pas si on le finira complètement aujourd'hui cet hôtel de ville. J'aimerais bien quand même, mais c'est sans garantie. Alors là il y aura un pilier, là il y aura un pilier. Voilà. Ici aussi. D'ailleurs je pense qu'effectivement ils feront. Ils sont comme ça, ces piliers-là. Voilà. C'est vrai que ça donnera assez bien, normalement. Hein. C'est drôle, quand même.
nouveau ce petit changement de biome là à 3 blocs près. Donc la porte d'entrée qui est ici, ça marche bien ça. Alors 1, 2, on va faire des portes à 3 de haut, hein. Y a pas de raison. Ok, super. Ah oui, à noter d'ailleurs qu'on est passé en 0.4.16, donc la nouvelle version de Mindtest, ce qui n'a pas cassé les deux blocs de saut, alors qu'à la base ils étaient cassés, donc je sais pas pourquoi ni comment, mais enfin, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est... À la base c'est un bug, hein, ce qui fait qu'on peut franchir deux blocs de haut, mais pour avoir joué 2-3 fois avec un seul bloc de saut possible, c'est vraiment, vraiment embêtant. Y a pas à dire. C'est compliqué, c'est... Enfin, je sais que les gens qui jouent à Minecraft le font tous les jours, mais voilà, concrètement, pour moi, c'était clairement un avantage et pas un inconvénient. Ok, alors, j'ai fait un petit pattern, comme vous pouvez voir. Je vais juste rajouter ça pour faire joli. Allez. Yes. Et ça donne pas trop mal. Est-ce que je rajoute encore un petit peu de noir au milieu? Je suis même pas sûr. Mais c'est assez cool, je trouve, parce que ce noir permet bien de souligner le contour avec, avec le reste. Donc, ça passe plutôt bien. Je vais voir encore si je pouvais mettre éventuellement quelque chose ici. Non, ça alourdit le truc inutilement. Voilà, par contre, maintenant, alors, c'est clair que si vous venez à la mairie, bah, vous arrivez devant un truc assez costaud, hein. Par contre, bah, derrière, pour l'instant, c'est le grand vide. Le grand vide. Pourquoi? Parce que maintenant, on va s'attaquer au deuxième étage tout de suite pour voir à quoi ça va ressembler. Les autres façades seront complétées plus tard, hein. Malheureusement, c'est vrai que le temps passe affreusement vite pour moi et je n'ai... C'est votre phrase fétiche chez moi, je pense. C'est « je n'ai pas le temps ». Enfin bon, c'est pas grave, on va le trouver. Est-ce que... Ça, je peux... Je vais le faire venir un petit peu en avant comme ça. Ah, peut-être même on peut laisser ainsi en fait. Non, par contre de côté. De côté ça peut donner quelque chose de sympa. Voilà. Et là, ça donne assez bien. Top! Alors, maintenant, on va regarder ce qu'on fait pour le deuxième étage. Moi, j'aimerais bien un truc qui monte un peu pareil, et puis ensuite qui s'arrête avec des espèces avec un toit un peu pointu, comme ça. Peut-être pas autant que celui qu'on a ici. Enfin, on va voir ça. Mais voilà, l'idée, ce serait que, là, comme ça, pouf, ça vienne en tout cas remplir jusqu'entre les jambes de la statue. Je pense que visuellement, ça peut être assez chouette comme truc. Alors... En tout cas, s'il faut, on peut travailler un peu avec cette perspective, c'est une bonne chose à mon avis. Ok, alors comme vous voyez, j'ai mis un deuxième étage, avec des petites fenêtres qui vont bien. Plus petites, hein, il n'y a pas besoin de faire grand, parce que je pense qu'on mettra des petits bureaux en haut, des choses comme ça, peut-être une salle de réception en bas d'un côté, de l'autre côté une partie secrétariat, et bureau du maire, quelque chose comme ça. Après, je vous avoue, je ne sais pas du tout ce qu'il y a pour de vrai dans une mairie en France, puisque je n'y habite pas. J'habite en Suisse, hein. Et même en Suisse, je sais pas trop, donc on va mettre des choses un peu random, comme ça, des trucs chouettes. D'ailleurs, petite anecdote au passage, je vous ai déjà dit que je me mariais bientôt. En Suisse, le mariage ne se fait pas à la mairie, ça se fait dans un... Ça se fait dans un bureau spécial qui s'appelle l'office d'état civil. Pour ceux que ça, à qui ça parle. Et pour les autres, bah comme ça vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je veux pas tomber. Je ne veux pas tomber. Aïe. Ok. Alors, on va essayer de remonter là en haut. Voir un peu ce qui se passe. En fait, c'est parce qu'il faut que je continue un petit peu mon espèce de parcours d'échafaudage de bouse. Nickel. Voilà, et maintenant, là... Eh mais j'ai plus de vie du tout. Il faut absolument que je mange. Sinon, je vais y passer. Voilà. Alors, ok, je vais tenter d'aller jusque-là déjà. On verra si on va plus loin en profondeur. Ensuite, ça, on va le mettre comme ça. C'est de toute façon, c'est un chien assis, hein. Mais je ne ferai plus l'erreur du saut de loup. Et puis,
Du coup, ça voudrait dire qu'on arrêterait le toit ici. Ça, c'est sa hauteur maximum. Donc, je peux tirer ça comme ça. En fait, non, même je suis un cran trop en arrière. C'est pas très grave, c'est pas très grave. On va juste reprendre au bon endroit. Après, le toit ne sera pas de cette couleur-là, bien sûr, hein. Il sera dans une autre, mais c'est juste pour se donner une idée. Voilà, si tu veux bien. Ok. Va profiter des capacités de ma nouvelle pioche en mithril. Enfin, c'est pas une nouvelle pioche en mithril, c'est juste que maintenant que j'ai un accès à internet correct, je peux me permettre de casser des blocs aussi vite que ça, alors qu'avant c'était totalement impossible. Yeah! Là. Ok. Et puis. Du coup, mon chien assis. Non, mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Ouais, ça donne pas mal du tout. Ok, alors, les amis, du coup, ce qui va se passer pour nous. Oh oui, ce serait tellement beau. Voilà, si vous êtes là, pile poil, au coucher du soleil, je m'arrangerai pour qu'on puisse garder la vue comme ça sur le soleil qui se couche. Je trouve que c'est juste trop cool comme idée. Voilà, 6-4, tu es le gardien de nos jours et de nos nuits. Enfin. Bref, il refait nuit. No! Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là-dessus. Je sais que c'était relativement court, mais malheureusement, comme je l'ai dit avant, j'ai pas le temps de faire plus. Ah là 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 là! Mais le prochain, j'aurai tous mes cœurs. Ça marchera tout de suite comme il faut. Il n'y aura pas de soucis, n'est-ce pas? Du coup, bah, portez-vous bien et on se redit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!